Non, c'est pas une vidéo information, non, je vais juste vous présenter un truc en fait. Salut les gars, aujourd'hui petite vidéo sur quelque chose qui vous sera très utile, c'est ce petit objet là. Ce tout petit objet, je vais vous en parler un petit peu. Alors, déjà je vais allumer mon téléphone et je vais enlever la coque aussi parce que ça va vous saouler. Alors, cet objet les gars, vous allez pouvoir le brancher. Regardez, je vais le brancher à mon téléphone. Regardez, je le branche à mon téléphone. Faut que je trouve la prise. Voilà. Je le branche à mon téléphone. Une fois que j'ai branché ça à mon téléphone, à partir de ce moment-là, les gars, vous pouvez mettre absolument ce que vous voulez regarder. Je vais vous montrer. Alors, je vais lancer le record Mobizen. Et en attendant, je vais vous en parler un petit peu plus de ce truc-là. Alors, déjà, cet objet, vous pourrez vraiment faire plein de trucs avec. Par exemple, recharger le téléphone de vos potes. Bah, s'il n'a pas de batterie portable sur lui, et qu'il a le chargeur, vous branchez ça à votre adaptateur. Donc là, regardez, je vais prendre l'exemple avec mes écouteurs. Regardez, vous le branchez comme ça dessus, en USB bien sûr. Et là, avec ce câble-là, vous allez pouvoir recharger vos écouteurs. Regardez, hop, et là vous voyez que il est en train de recharger. Là, ça recharge. Donc ça, je pense que ça prend de votre batterie pour l'exporter, on va dire. Après, là, c'était qu'un petit exemple. On peut aussi faire ça avec une batterie portable, hein, bien sûr. Regardez, batterie portable, hop, ça recharge. Vous pouvez vraiment faire ça avec plein de trucs. Ce truc vous change vraiment la life, les gars, je vous jure. Après, regardez, ça, c'est une souris. Pas une souris gamer, je vais pas prendre ma souris gamer parce que ça sert à rien. Voilà. Avec cette souris-là, on va pouvoir, que ce soit une filaire ou une Bluetooth, les gars, c'est exactement pareil, d'accord? Là, j'ai pris une Bluetooth, mais j'aurais très bien pu prendre ma filaire. Vous pouvez la brancher dessus. Donc, une fois que vous la branchez, hop, voilà. Vous la branchez, et puis vous allez pouvoir. Attendez, je lance le record. Voilà. Et là, vous voyez que. Là, vous voyez que vraiment, j'ai ma souris. Je peux aller partout. Je peux aller là. Regardez, hop. S'il veut bien. D'accord, il veut pas. Bon, c'est pas grave, t'as pas de sens. Voilà, regardez, vous voyez avec la molette, on peut. Regardez avec la molette, hop. Vous voyez qu'on peut vraiment faire plein de trucs. Par exemple, je vais aller dans. Hop, YouTube Studio. Voilà, on peut faire vraiment plein de trucs. Hop, là, on peut descendre ici. Et je vous ai montré des trucs. Oh, on s'en fout, ils seront déjà sortis. Bon. Voilà, une fois. Vous voyez, là, j'ai fait ça. C'est. Pour l'instant, c'est tranquille, tu vois. Mais là, je vais aller ouvrir. Samsung Note. Là, bon là c'était déjà des petits exemples. Hop, on va reprendre. Voilà, on va réécrire. Là, bon, voilà, c'était le petit exemple avec la souris. Je vais pouvoir enlever un petit peu la souris. Voilà, je la range. Et là, on va directement, les gars, passer au clavier. Ok? On va se mettre sur un clavier. Bon, les gars, ça fait quand même 3 fois que je recommence la vidéo parce que les autres, j'ai pas pu filmer tout ça. Et là, voilà, là, bon, faut toujours faire OK parce que sinon ça marche pas. Ça va vous enlever le clavier de votre téléphone, mais c'est normal. C'est totalement normal, vous inquiétez pas. Et là, on va pouvoir marquer par exemple Léal, hop. Non, c'était pas un K, c'est E-E-N-T. Voilà, Léal Flint, j'ai mis qu'un seul E. Bon, c'est pas grave. Si, c'est grave. Voilà. Là, on passe une ligne, hein, toujours. Et regardez. Vous voyez que là, je regarde même pas le téléphone, je suis en train de faire n'importe quoi avec le clavier. Et là, tout il s'est mis. Franchement, ce truc-là, c'est super bien parce que j'ai essayé de vous faire, de vous afficher une photo, de vous afficher une photo à l'écran, à la fin de la vidéo, bien sûr. Pour, vous savez, que ça part d'une prise de téléphone, donc d'une prise de votre téléphone, et qui ressort. En deux prises USB. Pour, deux prises USB comme ça. Pour pouvoir mettre un clavier et une souris. Et au moins tu peux jouer sur des trucs mobiles. Et ça fonctionne. Du coup les gars, vous voyez que vous pouvez recharger des trucs avec. C'est vraiment pas mal. Vous pouvez vous servir de souris, de clavier, même vos baffes. Si vous avez des enceintes, là je vois mes enceintes. Vous les branchez en USB dessus. J'ai essayé, vous inquiétez pas, je vous dis pas du bras. Vous les branchez dessus. Et
Et vous pourrez mettre de la musique, les gars. Vous pourrez mettre de la musique. Je sais pas si vous m'avez entendu, j'espère, parce qu'en fait, le micro là, il a un faible gain. Je suis dégoûté. Mais c'est pas grave. Donc, les gars, vous voyez, vous pouvez faire quand même beaucoup de choses avec. Même, regarde mon éclairage là. Si j'ai envie de le recharger avec ça, je le recharge avec ça. Vous pouvez vraiment faire énormément de trucs avec ce petit adaptateur. L'adaptateur, les gars, lien dans la description pour aller l'acheter tout simplement.